Question 10. Mr. Smith has 5 dogs, 2 of which are male and 3 are female. The masses of food they eat in any given week are normally distributed as follows. Alors, ça, c'est une masse de male, semi une standard deviation, et pour female. Nous avons dénoté mass of food pour male là comme M. La M ici, l'indice est pour normally distributed. Alors, M pour follow normal distribution, mean est 3.5, variance est pour 0.4 sur square. Et pour female, ce masse nous capable dénoter par F, la F pour follow normal distribution, mean 2.5, variance pour 0.3 sur square. Question: find the probability that the two males eat more than the three females in a particular week. Alors, nous avons besoin de probabilité qu'il y a deux males, alors M1 plus M2, notre masse of food est pour plus que three females, alors F1 plus F2 plus F3. Alors, nous avons tout un TM à gauche, qui pouvait être M1 plus M2, retire F1, retire F2, retire F3, et que ça pouvait être plus grand que 0. Next, nous ne pouvons pas prendre ce TM là, nous ne pouvons pas dire notre disons Y. Alors, Y ici dit M1 plus M2 minus F1 minus F2 minus F3. Alors, lui aussi dit pour faire le normal distribution. Alors, qui peut arriver mean, alors mean ou expectation de M1 plus M2 minus F1 minus F2 minus F3, ça les pouvait deux fois expectation de M, après retire trois fois expectation de F. Alors deux fois expectation de M, nous connaissons 3.5, retire trois fois expectation de F, 2.5. Alors nous évaluons deux fois 3.5, retire trois fois 2.5, les pouvait négative 0.5. Alors, c'est expectation ou mean pour négative 0.5. Next, nous check pour variance. Alors, variance de M1 plus M2 minus F1 minus F2 minus F3. Il pour venir deux fois variance de M. Et variance, nous tous les temps nous ajouter plus trois fois variance de F. Alors, ici, il pour venir deux fois variance de M, les 0.4 ce square, plus trois fois variance de F, les 0.3 ce square. Alors ici, vous pouvez si nous évaluons 2 fois 0.4 ce square, plus 3 fois 0.3 ce square, vous pouvez 0.59. Alors, variance ici, vous pouvez 0.59. Next, à ça nous paraît pour nous redonner nos probabilités. Ici, nous pouvons standardize, nous faisons Z plus grand qui. 0 retire mean. Ici, le négatif 0.5. Divise par standard deviation, nous pouvons square root de 0.59. Alors, il y a une probabilité Z plus grand qui. Si nous évaluons ici, divise par square root de 0.59 to 3 decimal places, il y a 0.65N. Alors, ça, il y a une N retire phi de 0.65N. Il y a une N retire phi de 0.65N. Nous lions depuis normal table. Il y a 0.7425. Alors, 0.7425. Le reste, nous fait N retire 0.7425. Réponse pour une 0.2575. Question 11. The time taken to carry out a standard service on a car of type A is known. Do a good approximation to be a normal variable with mean 1 hour and standard deviation 10 minutes. Alors ici, time taken to carry out a standard service, ça nous capable de noter comme X. Alors ici, il peut dire que X peut follow normal distribution. Mean li 1 hour, après standard deviation li 10 minutes. Nous capable convert li fait li vin en hour, alors 10 minutes, si nous pouvons diviser par 60, li pouvin n sur 6, là qui li pouvin in hours. Alors ça c'est standard deviation, et variance nous pouvons prendre standard deviation sur square. Alors ça c'est X, et question qui peut dire, assuming that only one car is serviced at a time, find the probability that it will take more than 6.5 hours to service 6 cars. Alors ici, on a 6 cars et qui pour prendre plus que 6.5 hours. Alors, on a 6 individual cars. Alors, nous pour prendre même cars comme X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6. Ça, c'est 6 individual cars et qui nous a retenu cette probabilité qui pour prendre plus que 6.5 hours pour nous faire ce service. Alors ici, nous avons besoin de distribution de x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6. Nous sommes capables de noter par t.
Alors, le total time là, il faut le normal distribution. Alors, il faut besoin de expectation. Alors, expectation de t, il faut une 6 fois expectation de x. Alors, 6 fois expectation de x, li n. Alors, 6 fois n, il faut une 6. Next, variance, pareil, variance de t total. On a 6 independent observation of x. Alors, il faut une 6 fois variance de x. Alors, 6 fois n sur 6 ce square. Si nous évaluons 6 fois n sur 6 ce square, il faut faire n sur 6 même. Alors ici, variance ta qui peut venir n sur 6. Next, nous finissons notre distribution, nous sommes capables de nos probabilités. Alors, probabilité nous standardise, il faut venir plus grand que 6.5, retire mean, les 6 divisé par standard deviation pour venir square root n sur 6. Il y a une probabilité z plus grand que, si nous faisons 6.5, retire 6 divisé par square root de n sur 6. To 3 decimal places, il faut venir 1.225. Ça, il faut n retire phi de n.225. Il faut n retire phi de n.225, nous lire depuis normal table. 0.8897. Ça, c'est la réponse. Ici, il faut 0.8897. Et si nous faisons n retire 0.8897, réponse pour première partie, il faut 0.1n03. Ça, c'est 11, ce première partie qui nous demande ça. Nous continuons. The time taken to carry out a standard service on a car of type B is normal variable with mean n.5 hours and standard deviation 15 minutes. Alors, tout là, pour type A, nous trouvons une étude de type X et explicitement pour follow normal distribution, mean T1 et standard deviation T n sur 6 et variance T n sur 6 square. Next, pour car B, ce time là, nous avons une étude de type Y. Alors, y pour follow normal distribution. Ici, mean is n.5 hours. Standard deviation est 15 minutes. Alors, si on fait 15 divisé par 60, 15 minutes divisé par 60 fait n car hour. Alors, ça c'est standard deviation. Alors, variance pour faire n sur 4 sur square. Next question. Find the probability that 5 cars of type B can be serviced more quickly than 8 cars of type A. Alors, l'autre probabilité qui, si on a 5 cars of type B, veut dire Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 plus Y5, qui nous dit, il peut servir more quickly. Alors, si il peut servir more quickly, rappelez bien, c'est time. Alors, time là, il peut less. Fais bien attention parce que more quickly veut dire, il peut less. Time là, il peut plus quick. Alors, then 8 cars of type A. Alors, nous prenons 8 cars ici, X1 plus X2. Nous allons jusqu'à x8. Alors, nous pouvons bring tout un terme à gauche. Ici, nous avons y1 ajouté jusqu'à y5. Après, retire x1, retire x2. Nous allons même comme ça jusqu'à retire x8. Alors, ça, il faut less than 0. Next, nous pouvons dénoter sa variable totale là comme t. Alors, t ici pour faire le normal distribution. Alors, qui parle expectation? Alors, expectation de y1 plus y2 plus nous ajoutons jusqu'à y5. Minus x1, minus x2, nous allons même jusqu'à minus x8. Cette expectation là, il peut venir 5 fois expectation de y, retire 8 fois expectation de x. Alors, il vient 5 fois expectation de y, vient n.5, retire 8 fois expectation de x, vient n. Alors, nous évaluons 5 fois n.5, retire 8 fois n, qui fait négative 0.5. Alors, expectation ici pour venir négative 0.5. Next, nous check pour variance. Alors, variance de y1 plus y2, nous ajoutons jusqu'à y5. Retire x1, retire x2, nous allons même jusqu'à retire x8. Ça, nous pouvons venir 5 fois variance de y, mais variance are always added. Alors, nous pouvons ajouter 8 fois variance de x. Alors, 5 fois variance de y, leaving n sur 4 sur square. Plus 8 fois variance de x vin n sur 6 square. Alors nous évaluons 5 fois n sur 4 square plus 8 fois n sur 6 square qui peut venir 77 sur 144. 77 sur 144, ça c'est variance. Next, nous pouvons standardize, nous continuons nos probabilités, nous pouvons z, petit qui 0, retire mean, négative 0.5, divise par standard deviation, positive square root de 77 sur 144.
Alors ici, il y a une probabilité Z plus petit petit qui. 0,5 divisé par square root de 77 divisé par 144 to 3 decimal places, il y a 0,684. Alors ça, il y a une faille de 0,684. Nous lier depuis le normal table. Réponse pour une 0,753. Alors 0,753, ça c'est deuxième partie de la question 11. Réponse. Question 12. The process of painting the bodywork of a mass-produced lorry consists of giving it one coat of paint A, three coats of paint B, and two coats of paint C. A record of the quantity of each type of paint used for each coat is kept for each lorry produced over a long period. The following table gives the means and standard deviation of those quantities measured in liters. Alors, coat pour A, pour B, pour C, and the mean and standard deviation. Assuming independence of the distribution for each coat, calculate the mean and standard deviation for the total quantity of paint used for each lorry. Alors, pour each lorry, nous trouvons qui total, les pour besoin. One coat of A, plus l'injali pour besoin three coats of B, plus two coats of C. Ça c'est total. Alors nous pour besoin de expectation pour total. Il pour une expectation de A, plus nous prenons trois fois expectation de B, plus deux fois expectation de C. Alors expectation de A, maintenant nous connaissons 3,7, plus trois fois expectation de B, dit n.3, plus deux fois expectation de C, dit n.0. Alors là, le pouvin 9,6. Next, nous avons variance de total, variance de T, le pouvin variance de A, plus 3 fois variance de P, plus 2 fois variance de C. Alors ici, le pouvin variance de A, les 0,42, ce square, plus 3 fois variance de B, les 0,15, ce square, plus 2 fois variance de C, les 0,12, ce square. Nous évaluons, le pouvin 0,2727. Next, question demande standard deviation. Alors, standard deviation of t, il peut venir positive square root de 0,2727, qui vient to three decimal places, il peut venir 0,552. Nous continuons assuming that the quantities of paint used for each coat are normally distributed. Alors, ici, il peut normally distributed pour A, pour B, plus C. Alors, pour total aussi, total, il peut faire le normal distribution. Nous finissons calculer ce mean, 9,6. Et variance de 0,277. Alors, partie A qui peut demander, road probabilité ou road percentage. Nous finissons road probabilité, là nous convert to percentage of lorries receiving less than 8,5 liters of paint. Alors, ici nous pouvons road probabilité qui est total pour moins qui 8,5. Alors, nous standardise, nous pouvons Z plus petit qui 8,5. Retire mean de 9,6 divisé par standard deviation, vin square root de 0,277. Alors, il y a une probabilité de Z, plus petit qui, si nous faisons 8,5, retient 9,6, divise par square root de 0,277, vous trouvez, il y a une négative 2,090. Next, ça, il y a une faille de négative 2,090, qui vient N retient faille de 2,090. Alors, nous lions N retient à cette faille de 2,090, les pouvins 0,9877. Là, nous évaluons, les pouvins N retire 0,9877, qui vient 0,0183. À ça, nous avons fait les pouvins percentage, nous pouvons faire par 100. Et quand nous faisons par 100, nous pouvons trouver les pouvins N.83%. Ça, c'est la réponse pour partie A. Next, nous répondons partie B. Road percentage of lorries receiving more than 10.0 liters. Alors, nous avons une probabilité qui total pour une plus qui 10.0 ou 10. Nous standardise et pour une Z plus grand qui 10 retient min 9.6. Divise par standard deviation pour une positive square root de 0,277. Alors là, il pour une probabilité Z plus grand qui 10 retient 9.6. Divise par square root de 0,277. To three decimal places, il pour une 0,760. Alors, ça, il y a N retire phi de 0,760. Next, il y a N retire phi de 0,760. Il y a 0,7764. Et si nous faisons N
Retire 0.7764. Réponse pour 0.2236. As percentage, quand nous pouvons faire par 100, réponse pour 22.36%. Question 13. The values of two types of resistors are normally distributed as follows. Type A, mean 100 ohms, standard deviation 2 ohms. Type B, mean 50 ohms, standard deviation 1.3 ohms. Alors, ohm, c'est unit of electrical resistance. Et partie A, il peut dire, what tolerances would be permitted for type A if only 0.5% were rejected? Alors, ici, nous peut connaître qui type A, et il peut follow normal distribution, mean 100, nous peut répondre partie A, avec variance de 2 sur square. Alors, il peut dire, what tolerances? Alors, A, il peut follow normal distribution, et mean 100. Alors là, qu'il peut dire? Il peut dire que 0.5% nous peut reject. Alors, tolérance, ce soit sur résistance, si nous quittons une distance de A à gauche et à droite, l'indice qui nous peut reject 0.5%. Alors, si nous pouvons shade, code shade à gauche et à droite, il peut faire total 0.5%. Alors, au milieu, pour 99.5%. Alors là, il peut venir 100 minus A, et si il peut venir 100 plus A. Nous avons besoin de sa tolérance, ça coûte ça nous pour accepter. Prendre des 100 retire A par 100 plus A, ça rejoint qui nous pour accepter. Alors, comment nous sommes capables d'organiser ça des voilà, il y a une probabilité qui A, qui est in between 100 minus A et 100 plus A, là nous connaissons 99.5%. Next, nous pouvons standardize, il y a 100 retire A, retire 100 divisé par 2, là il y a une Z, ici il y a une 100 plus A, retire 100 divisé par 2, et 99.5% divisé 0.995. Next, si nous simplifions ici, 100 retire 100 éliminé, divisé négatif A sur 2, avec Z, ici, il pouvait A sur 2, ça peut égal 0.995. Next, il pouvait phi de A sur 2, retire phi de négatif A sur 2, qui pouvait 0.995. Ici, il y a une faille de A sur 2. A, il est pour une distance, alors il est pour positive. Et ici, nous pouvons faire N retire faille de A sur 2. Et ça, il est pour 0.995. Si nous simplifions, vous trouvez une 2 faille de A sur 2. Retire N qui égale 0.995. Alors, faille de A sur 2, si nous faisons une subject of formula, d'abord, nous faisons 0.995 plus N. Après, nous pouvons diviser par 2. Alors ici, il peut venir 0.9975. Nous prenons phi de l'autre côté, il peut venir A sur 2 égale 0.9975. Si il peut venir phi inverse de 0.9975, nous pouvons lire ça depuis nos standard normal table. 0.9975 sur phi inverse, il peut venir 2.807. Next, A peut venir, nous faisons 2 fois 2.807. A peut venir, si nous faisons 2 fois 2.807, il peut venir 5.614. Next, à ce stade, nous, lower limit to upper limit, ça veut dire notre tolérance. Tolérance, c'est pour in between. Nous trouvons 100 retire A, et ici, 100 plus A. Alors, valeur A, nous gagnons 5.614. Alors, notre tolérance. Ici, il peut venir 100 plus 5.614. Alors, si nous évaluons, nous pouvons gagner notre tolérance. Il peut in between 100 retire 5.614, qui vient 94.386, et 100 plus 5.614, il peut venir 105.614. Ça, c'est la réponse pour partie A. Partie B, 300 ohm resistors are made by connecting together three of type A drawn from the total production. Alors là, nous pouvons prendre 3 type A. Alors nous pouvons prendre A1 plus, là nous pouvons répondre partie B, A1 plus A2 plus A3. Alors nous avons 3 type A resistors. Alors nous pouvons faire une total production. What percentage of the 300 ohm resistors may be expected to have resistances greater than 295 ohm? Alors A1 plus A2 plus A3, il faut follow normal distribution. Là, nous pourrons expectation de A1 plus A2 plus A3 qui vient 3 fois expectation de A, qui vient 3 fois 100
et 3 fois 100 fait 300. Alors 1000 ni pouvin 300. Next variance, variance de A1 plus A2 plus A3, ça le pouvin 3 fois variance de A. Alors, il vient 3 fois variance de A, les 2 se square. 2 se square fait 4, 4 fois 3 fait 12. Alors, ici, il vient 12. Et next question qui nous dit, route probabilité qui? A1 plus A2 plus A3. Qui peut arriver? Il nous dit qui? Resistance, il vient greater than 295. Alors, ici, il vient plus qui? 295 ohms. Alors, nous standardise, il vient Z plus grand qui? 295 retire 300 divisé par square root de 12. Alors, il y a une probabilité Z plus grand qui? 295 retire 300 divisé par square root de 12 qui fait négative n.443. Next, plus grand, il y a une n retire phi de négative n.443 qui vient n retire 1 minus phi de n.443. Ok, vous pouvez trouver qui? Il y a une phi de n.443. Nous liés depuis normal table, réponse pour une. 0.9255. Mais si nous demandons pourcentage, nous pouvons avoir 100. Réponse pour 92.55%. Partie C. Pairs of resistors, one of 100 ohms and one of 50 ohms, drawn from the total production for types A and B respectively, are connected together to make 150 ohm resistors. What percentage of the resulting resistors may be expected to have resistances in the range 150 ohms et 151.4 ohms? Alors ici, il peut dire qu'il nous prend 1 of 100 ohms and 1 from 50 ohms. Alors N dépit type A avec N dépit type B. Alors là, nous pourrons A plus B, nous pouvons répondre par ici, A plus B. Nous pouvons checker ce distribution qui peut venir. Là, nous pouvons avoir expectation de A plus B qui vient expectation de A plus expectation de B. Alors, expectation de A dit 100 plus expectation de B dit 50 qui vient 150. Next, pour variance, variance of A plus B qui vient variance of A plus variance of B. Alors, variance de A est 2 sur square plus variance de B est n.3 sur square. Le 2 sur square plus n.3 sur square qui fait 5.69. Alors, ici, il y a 5.69. Et question de la route probabilité qui résistance ici A plus B. Du coup, in between 150 ohms et 151.4 ohms. Alors, nous pouvons standardise, divine 150, retire 150, divise par standard deviation pour une square root de 5.69. Next, d'aller pour une Z et qui c'est 151.4, retire 150, divise par square root de 5.69. Alors, il y a une probabilité ici pour une 0. Next, 151.4, retire 150, divise par square root de 5.69. Qui vient 0.587. Alors là, il peut venir phi de deuxième balai, 0.587, retire phi de 0. Alors phi de 0.587, nous lié depuis normal table. Il peut venir 0.724, ici 0.724, retire phi de 0, ça il vient 0.5. Et si nous faisons 0.724, retire 0.5. Réponse pour venir 0.22N4, mais il demande percentage, nous pouvons avoir 100. Et que réponse finale vient 22.N4% pour partie C. Question 14. The time of departure of my train from Temple Meads station is distributed normally about the scheduled time with a 25 et standard deviation de 1 minute. Alors, dans une station, ça c'est une station. Alors, ici, côté ça point là. Je peux départ, je peux prendre un train qui peut départ, je peux aller depuis là. Alors, qui peut dire que ce time of departure là, nous représente par D, time of departure, il y a une variable. Alors, il peut follow normal distribution. Alors, je peux expect que ce train là, il peut démarrer 8h25, parce que ça c'est schedule time. Il n'est pas nécessaire que ce train là vienne s'aller là. Alors, ce mean time, nous peut connaître les 8h25, ça c'est 8h25. Extended deviation de N, alors variance pour une N sur square.
Next, I arrive at Temple Mills station on another train whose time of arrival is normally distributed with a scheduled time 8h20, extended deviation 1 minute. Alors, nous pouvons venir depuis le train, nous pouvons venir sa station là. Alors, sa time of arrival là, nous disons type A. Alors, ici, time of arrival, du CDP before the normal distribution, mean scheduled time de 8h20, et variance pour venir n ce square. Alors, depuis un train, nous pouvons reach the station, alors time là, il y a une variable. Après qu'il y a, nous continuons la phrase, it takes me 3 minutes to change platform. Alors ça, depuis que je viens ici jusqu'à là, il faut prendre exact 3 minutes pour me change platform. Alors pour rentrer ici de station, time lag est variable, 3 minutes me change ma platform, là là, je sorti depuis ici, je depart. Alors next, il dit que, if I miss the train from Temple Mills, parce que ça train de là, si je rate li, right, I am late for work. Find the probability that I am late for work. Alors nous répondons par ici A. Alors comment nous pouvons late from work? Alors nous pouvons late from work, si sa time qui me rentre sa station là, plus moi j'ai 3 minutes qui me besoin sans ma plateforme, il peut dépasser sa time of departure là. Alors, nous pouvons besoin de probabilité qui A, comme moi j'ai 3 minutes en ligne, il dépasse D. C'est là qui me miss the train. Alors, ici, il y a une probabilité A, retire D plus 3, il y a une plus grand qui 0. Ok, ou ce qui nous capable de faire, nous capable d'avoir sa 3 là à droite, les une probabilité qui a retire d, les une plus grand qui négative 3. Là, nous sommes capables de travailler avec sa variable là. Alors, a retire d qui peut arriver, a retire d, les pour faire le normal distribution. Alors, expectation de a retire d, les une expectation de a retire expectation de d, expectation de a les 8h20. Nous pour retirer expectation de d les 8h25. 8h20 retire 8h25 fait négative 5 minutes. Next, variance. Variance de A retire D. Variance tous les temps non ajouté. Alors, il y a une variance de A plus variance de D. Alors, variance de A, li n ce square. Variance de D, li n ce square. N ce square plus n ce square fait D. Fait 2. Alors, next, ça c'est ce qu'il nous faut faire. Nous avons mean, nous avons variance. Là, nous capables de standardize. Il y a une Z plus grand qui est négative 3 retire. Mean négative 5 sur square root de 2. Alors, il y a une probabilité de Z plus grand qui. Négative 3 retire retire 5 fait négative 2 divise par square root de 2 qui fait n point 4 n 4 correct to 3 decimal places qui vient n retire 5 de n point 4 n 4. Alors il vient n retire 5 de n point 4 n 4 nous lier depuis normal table. Les pouvines 0.9 de n 3. Alors ici il vient 0.9 de n 3 et que ça nous fait n retire 0.9 de n 3. Vous pouvez trouver qui n retire sa answer là. Réponse pour vous 0.0787. Ça c'est partie A sur réponse. Next, nous répondons partie B. Find the probability that I miss the train from Temple Mills station every day from Monday to Friday in a given week. Alors nous avons besoin de probabilité qui dans 5 jours consécutifs. Ça veut dire probabilité qui nous pour late on Monday. And, là, la fois, nous pouvons faire avec probabilité qui est pour late on Tuesday, nous pouvons aller même jusqu'à, nous pouvons late on, ça c'est Monday, Tuesday, nous pouvons aller même jusqu'à Friday. Alors, nous pouvons faire probabilité late, après 5 fois, nous pouvons multiplier ou nous faire une power 5. Alors, probabilité late on any day, nous trouvons la partie A de 0.0787. Là, nous faisons power 5. Là, si nous évaluons 0.0787, power 5. Réponse pour Vin, 3.02 fois 10 power négative 6. Ça, c'est réponse pour partie B.